Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Peter Parker pour le 13e épisode de The Amazing Spider-Man 1. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un maximum de commentaires. Alors, on va se retourner vers le tableau pour une petite explication. Donc, depuis la dernière vidéo, j'ai fait quelques lives qui m'ont permis de retraverser tous les niveaux déjà parcourus afin de les compléter à 100% pour trouver les magazines, les manuels de Scorp, les éléments tech. Faire quelques photos cachées par-ci par-là et récolter un maximum de preuves audio, voire toutes. Petite décision personnelle hein, pour continuer le jeu comme je le souhaite, dans l'espoir d'afficher dans les futurs titres de vidéo un petit 100%. Donc à partir de maintenant, tous les niveaux qu'on parcourra, on les fouillera vraiment complètement. C'est parti pour une petite piqûre de rappel. On va écouter les preuves audio, donc si vous ne voulez pas subir ça, je vous conseille d'avancer environ vers la 8e ou 9e minute. Je sais pas trop. Les prochaines preuves qu'on trouvera, on les lira bien évidemment en temps réel pour ne plus avoir à resubir une relecture ultérieure. Allez, c'est parti, on commence par Touroscorp. Monsieur Smythe, je présume. Le seul et unique. Bienvenue chez Oscorp, monsieur. Malheureusement, monsieur Osborne est absent aujourd'hui. Quel dommage, en une occasion si spéciale. J'imagine que vous avez eu vent de ce qui s'est passé ici. Je sais que tout est de la faute de Kurt Connors. Et je n'en suis pas surpris. Vous le connaissez personnellement. Malheureusement, certaines personnes disent que nos deux génies sont équivalents dans nos domaines respectifs. La grande différence, c'est que j'ai une conscience. Et je n'ai pas d'écaille. Je ne comprends pas. Pourquoi poursuivre les travaux de Connors après tout ce qui s'est passé ? Il faut admettre que le docteur Morbius et ses collègues avaient des arguments de taille, assez pour convaincre les décideurs de les laisser continuer. Je vois. Et que donnent ces travaux jusqu'ici? Ils n'ont pas réussi à obtenir de résultats. En fait, ils ont presque perdu le contrôle de leurs recherches. C'est pour cette raison que ma première directive sera de se débarrasser de ces créatures. Ok, donc deuxième dossier, aucune preuve. Troisième dossier, c'est parti. Vous allez enregistrer nos conversations pour la postérité, c'est ça? C'est la procédure habituelle. Surtout avec les cas extrêmes, j'imagine. Pour tous les patients, Dr. Connors. Nous aurions très bien pu avoir cet entretien par caméra interposée. Vous seriez plus en sécurité. Je me sens tout à fait en sécurité. Pourtant, vous prenez des risques. Ils disent que le lézard est parti. Mais sait-on jamais? Vous avez vu de quoi le lézard était capable? Vous croyez vraiment que ça le retiendra? Oui, je crois. La réaction génétique provoquée par le stress a été totalement évacuée de votre organisme. Il ne reste plus une seule cellule reptilienne en vous. Vous êtes simplement le docteur Kurt Connors. Cela vous frustre? Que pensez-vous de cette conférence de presse? Celle d'Alistair Smythe? Smythe ne fait que mentir sur mon travail. Mentir, dites-vous? Je cherchais un remède. Un remède! Et il veut faire croire aux gens que je suis un être maléfique. Mais je ne le laisserai pas. Non. Et comment comptez-vous l'en empêcher? Docteur Connors? Je ne veux plus parler de ça. Ramenez-moi dans ma chambre, s'il vous plaît. Ok, donc au niveau des archives d'Oscorp, on a encore deux preuves audio. Et si ce comité est résolu à condamner mes actions, cela signifie que ce comité n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et en limitant l'utilisation de mes S-Bots, vous sabotez mon projet de sérum aux nanobots. Vous êtes aussi coupable que moi, sinon plus. Docteur Smythe, vous dites que vous ne voulez pas d'un autre fiasco? Regardez autour de vous. Le virus de Connors se répand. Il est déjà partout. Il faut agir, sans attendre, tout de suite. Il faut prendre des mesures radicales avant qu'il ne soit trop tard. Je refuse de voir ce fléau emporter tous les habitants de la ville. Je ne laisserai pas ce comité se rendre coupable de génocide. Docteur Smythe, nous ne nous laisserons pas accuser de la sorte. La sécurité de la population est et a toujours été notre premier souci. En tuer quelques-uns pour sauver les autres n'est en aucun cas une option. Je ne suis pas là pour être populaire. Je suis là pour faire ce qui doit être fait. Ça suffit, Docteur Smythe. Que voulez-vous? Vous avez vraiment fait sensation, Alistair. J'ai passé plus de 2 jours en quarantaine dans mon propre bureau, et mes employés tombent comme des mouches. Je n'ai que faire de l'avis du comité.
Je vais faire ce qu'il faut. Vous ne faites que votre devoir, comme vous l'avez toujours fait. Quoi ? Le comité vous sert ce discours sur la moralité parce qu'ils craignent de ternir l'image d'Oscorp auprès du public. Certains ne se soucient que des apparences à Alistair. D'autres travaillent dans l'ombre, afin qu'Oscorp soit encore là demain, et pour les siècles à venir. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je m'en moque. Je sais ce que j'ai à faire. Assez. Oublions les apparences une minute. Pourquoi n'avez-vous pas étudié les dossiers de Connors ? Il avait prévu un antidote. Si vous êtes un génie, pourquoi agir de manière aussi stupide ? Les travaux de Connors sont méprisables, et jamais ! Alistair, gardez votre discours manichéen pour le comité. Je préfère les nuances. Pourquoi n'avez-vous jamais étudié ces dossiers ? Qui vous dit que je ne l'ai pas fait ? Il est important de connaître toutes les options. Il n'existe pas d'antidote ! Et la réponse est simple. Pour éliminer tous les mutants, je dois avoir les mains libres. Oubliez le comité, j'en fais mon affaire. À partir de maintenant, vous avez tout contrôle sur vos robots. Je compte sur vous pour arrêter ce virus. Je pense clairement que la voix mystérieuse là, c'était Norman Osborn. Donc, prochain dossier, station de pompage ouest, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, Dr. Smythe. Je viens de recevoir une liste de dépenses non justifiées qui semble pour le moins extravagante. Je me demandais ce que vous comptiez faire de ces achats. Voilà tout. Y a un problème ? Je pensais que l'argent ne serait pas un souci. Oui, mais vous avez dépensé en une journée l'équivalent du PIB de toute la Belgique. Je dois pouvoir justifier ces dépenses. De toute évidence, ce n'est pas un home cinéma. Je ne comprends pas qui a pu ordonner cette enquête. Cette ville fait face à une épidémie. Cette enquête, c'est moi qui l'ai ordonnée. Je suis le chef de la comptabilité d'Oscorp. Je ne suis pas un simple pion qu'on manipule. Je contrôle les finances d'une des plus puissantes corporations du monde. Elle déconne pas, elle. Elle ne déconne pas. Monsieur, tout le monde est prêt pour la prochaine phase. Nous devrions peut-être organiser une réunion pour informer les autres. Je veillerai à ce que les chefs de service reçoivent mes indications, ne vous en faites pas. Si vous le dites, patron. Mais je crois qu'ils s'inquiètent du côté de la production. C'est-à-dire ? Eh bien, déjà, certains se demandent sur quel type de véhicule nous travaillons. Ce n'est pas un véhicule. C'est que nous avons des éléments qui ressemblent à des wagons. À en juger par la conception, ils vont porter des charges, donc si c'est un train... Ce n'est pas un train. Mais alors, patron, qu'est-ce que c'est ? Le premier S-Bot avait ses défauts. Je les ai corrigés pour les prochains modèles. On m'a dit que les S-Bot étaient en stand-by. Patron. Ce n'est plus le cas. Lancez la production immédiatement. Et dites à l'équipe Nano que je leur envoie les plans. Ah, je pense que clairement ils étaient en train de parler de l'un des boss qu'on a affronté dernièrement. On descend, pas de preuves. Deux preuves ici, il me reste quoi encore là? Il me reste encore... Ok, juste les deux dernières preuves qui sont là donc. Allez, c'est parti. C'est prêt monsieur. Parfait. Enfin, ma plus belle invention. Monsieur, je crois que nous apprendrions plus en les capturant qu'en les tuant tout de suite. Nous n'avons pas le temps. Où est-il ? Souterrain niveau B, sous les tours Oscorp. Mon S02. J'aimerais tellement le voir. Mais je suis coincé ici. Envoyez-moi les commandes d'accès vers ma console. Je veux voir le potentiel de ce robot. Quoi encore ? Le S02 est prêt à éliminer les créatures mutantes. J'ai besoin de plus de temps pour mon sérum au nanobot. Nous avions un accord, monsieur Smythe. Vous aurez tout ce qu'il vous faut tant que cela sert nos intérêts. Sauver la ville servira à nos intérêts. La vie humaine n'a-t-elle pas de valeur à vos yeux ? Oh si, Alistair. Nous sommes très inquiets pour ces gens. Mais pas au point de sacrifier l'avenir d'Oscorp. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Laissez-moi finir mon sérum au nanobot. Ok, c'est bon, on a fini, on a fini. Bon, vous voyez le petit amélioration disponible clignoter là ? C'est pas pour une raison lambda, parce que pendant mes lives, du coup, j'ai amassé beaucoup de points d'XP. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un peu toutes les compétences hein, au maximum. Celles que j'avais débloquées.
Donc là, en fait, les prochaines améliorations qui vont se débloquer, je vais pouvoir dépenser 2 points. Donc c'est très très bien. Et même là-dedans, hein, toutes les compétences ont été complètement achetées. Donc vous allez vous en rendre compte, hein, lorsqu'on va faire quelques combats, on est un poil plus fort. Et on a déjà accumulé 590 points d'expérience pour les prochains. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Alors, qu'est-ce que c'est qui clignote là? Qu'est-ce qui clignote exactement? Voilà, ça ne clignote plus, c'est parfait. Allez, on sort. On y va. Ça fait déjà 10 minutes hein, qu'on est sur cette vidéo et il n'y a pas eu d'action. J'en suis désolé, ça ne se reproduira plus, les petits amis. On va vraiment, vraiment, vraiment faire en sorte de tout faire en temps réel et d'enquêter dans les niveaux lorsque c'est le moment pour ne plus avoir à revenir. Donc je vais prendre mon temps sur ce jeu. Je vais vraiment m'éclater. Le petit côté reporter du Daily Bugle de Peter Parker va prendre toute son ampleur. Allez, c'est parti. Et ma carte est complètement brouillée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Quelque chose perturbe mes communications. Il faut que je sache quoi et où. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Du coup, il y a quelque chose qui perturbe les communications. On va aller en haut de cette antenne là. Et on peut pas y aller. Non, mais on est sérieux là? Ah même... Même ça, je ne peux pas le faire. Bon, du coup, qu'est-ce qui perturbe le truc là? Il va falloir qu'on traverse toute la ville comme ça, un petit peu au pif, pour trouver ce qui perturbe. Bah, je pense que ça doit provenir de la Tour Oscorp, ça encore. Hein. C'est quasiment certain. Hein. Salut, c'est Spider-Man. Je ne peux pas répondre parce que mon téléphone est en panne. J'avoue, c'est ballot. Ah mais c'est quoi ça? C'est pas alors, ma planque c'est ça, ça qui brouille le signal? Ce fichu tas de ferraille. Ça doit faire mal. Allez. Je vais effacer ce sourire. Non. Mon téléphone est inutilisable. J'ai pas envie de mourir je comme ça pas là, le c'est signal. Ouf ça. Alors attendez, je récupère un peu ma life. Et là je me suis fait avoir, hein. J'ai pas eu le temps de me protéger alors que je pensais vraiment que j'allais pouvoir m'en débarrasser aussi facilement. Ah là. Voilà, ça c'est l'histoire ancienne. J'ai été mauvais sur ce coup-là. Ça t'a arrangé la connexion. Je me suis vanté, ouais, vous allez voir, je suis devenu beaucoup plus fort. Tranquille, tranquille, et allez, les trois premiers robots que je croise, je me fais j'espère défoncer, qu'il n'est pas trop tard pour sauver Gwen. Qu'on va pas tout de suite à Oscorp. Oh, on a encore beaucoup de civils à aider. Oh, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire, les petits amis, il y a beaucoup trop de choses à faire. Je pense que ça va être une vidéo spéciale, mission annexe. Beaucoup trop de choses à faire. J'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail. On n'a pas débloqué encore de nouvelles compétences, hein, bien sûr que non. Alors, la ville a pris des mesures pour contenir l'infection. Il faut absolument en informer la population. L'attente peut être longue et la police peut se montrer intimidante. Mais nous devons rester solidaires pour surmonter cette crise. Vous pouvez m'aider à faire passer le message, Spider-Man. J'ai besoin des photos permettant d'illustrer l'ampleur de cette opération. Et la bienveillance de la police, cette situation requiert de la patience, du respect, de la solidarité. Nous devons nous serrer les coudes, montrer des gens qui font la queue, ça en aidera peut-être certains à se montrer plus patients. Certains sont réellement malades, ils ne tiennent pas debout. Bien entendu, ils ont renforcé la sécurité, c'est le chaos dehors. Alors merci Spider-Man, je sais que je peux compter sur vous, ouais, pas de problème, tu peux compter sur moi.
Mais dans un premier temps, alors c'est quoi ça? Bouche d'égout, découvrez ce qui se passe dans les égouts. Non. Il y a une petite enquête tout de suite là. On va aller faire cette petite enquête. Tiens, de la compagnie! Immédiatement. Si j'avais su, j'aurais préparé Oula. Quelque chose. Alors attendez. Alors, un petit groupe de snipers là, on va essayer de se les faire. C'était pas prévu, mais ça compte pour le 100%. Standard des super-héros? Alors, qu'avez-vous pensé de mon dernier reportage? C'était super. Vraiment, super. Vous n'avez pas regardé, c'est ça? J'aurais parié que vous étiez du genre à rester collé devant CNN toute la journée en attendant que le monde ait besoin d'être sauvé. Seulement les week-ends. Ok, alors... Je me suis fait défoncer. Je fais n'importe quoi, hein. Clairement, voilà, c'est une vidéo fail. J'espère qu'on va pas enchaîner les fails, ça serait vraiment dommage. Allez, on continue, moi j'y crois. Bon, bah, du coup, on n'est plus du tout à côté des snipers. Allez, direction Oscorp. J'espère qu'il est pas trop tard pour sauver Gwen. J'avais les snipers pas très loin, là. Où est-ce qu'ils sont? Il existe standard des super-héros? Alors, qu'avez-vous pensé de mon dernier reportage? C'était super. Vraiment, super. Vous n'avez pas regardé, c'est ça? J'aurais parié que vous étiez du genre. Je pense qu'ils sont là-bas. CNN toute la journée en attendant que le monde ait besoin d'être sauvé. Seulement les week-ends. Ok, alors je vous fais la version courte. Il faut que vous alliez à la station d'épuration. L'eau a été empoisonnée. Qui a fait ça? C'est le problème. Pour ce qu'on en sait, ce sera juste un terrible accident. Bizarrement, j'en doute. J'y vais tout de suite. Ça va être compliqué là de se les faire eux. Non. Bon, troisième tentative, les petits amis, pour se faire ces snipers là, ça devient très compliqué. J'espère que cette fois-ci je vais y arriver. Hop, on y va, il faut les prendre de vitesse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez. Ça suffit. Allez. Voilà. C'est parfait, c'est ça. Fini. C'était pas facile, hein. Agression signalée. C'était pas évident. Je sais ce qu'ils manigancent, ils vont avoir une surprise. J'ai encore des photos à prendre. Alors, au niveau de la prise de photo, qu'est-ce que j'ai à faire? Montrer des gens qui font la queue, ça en aidera peut-être certains à se montrer plus patients. Certains sont tellement malades qu'ils ne tiennent pas debout. Bien entendu, ils ont renforcé la sécurité, c'est le chaos là-bas. Ok. Les gens qui font la queue, ça c'est bon. Quoiqu'on n'est pas du tout au bon endroit pour faire la photo. Voilà, ça c'est parfait. Alors ensuite. Je pense que c'est ça. Hmm.
Est-ce qu'il y a moyen de faire une photo d'un peu plus haut là? Ouais, c'est non, c'est pas par là. Alors attendez, on va tenter de faire un truc comme ça. Bon, certains sont tellement malades qu'ils ne tiennent pas debout. Il faut en trouver un qui tombe. Genre lui là, eux là, ok. Parfait. On y est. Et maintenant, les renforts. Les renforts. Est-ce que de là, il y a moyen de faire une belle photo là? Non, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. On va juste mettre là. Peut-être que là, ça va le faire. Pourquoi la photo ne veut pas être prise là? Je comprends pas. C'est quoi ces conneries? Ah, il fallait vraiment que je me rapproche. Hein. Il fallait vraiment que je me rapproche. On supprimait la photo. Ok, c'est parti. Hein. C'est parti, c'est parti. Donc, l'enquête, ça c'est fait. Alors, hop, on peut consulter les mails là. J'ai eu un petit bug. Hein. Spider-Man, voici un aperçu du reportage que je diffuserai ce soir. En dépit des efforts des équipes d'intervention d'urgence, le nombre de personnes nécessitant une prise en main médicale a explosé. Des périmètres de sécurité ont été établis afin de contenir d'éventuels mouvements de foule. Malgré les tensions et l'urgence de la situation, peu d'incidents ont été signalés. Le virus atteint tout le monde et les personnes infectées sont trop faibles pour se révolter. Ok. Bah c'est nickel. Donc là on a une petite mission juste à côté. Petit racket. On va aller voir ce qui se passe. Où est le racket là? Ouais, il est là ici. Rentre chez toi, gamin. Bon, petite démonstration du coup de ma nouvelle force. Si je me fais pas démonter comme les snipers sur le toit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, j'espère que t'es pas vexé. Il est costaud lui, ok. Lui c'est une brutasse. Hop là, petite prise de catch. Et ça fait plaisir, civil sauvé. Quelle journée. En plus c'est un policier. Merci. J'ai une dette envers vous. Pas de problème. Sûrement mec. Pas. Vous prenez des risques tous les jours pour notre sécurité. Nous sommes quittes. Oh c'est beau. C'est beau lorsqu'il remercie les forces de l'ordre. C'est magnifique. Donc là, par là, il y a quoi? Hop, on a des petits défis avec... Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas trop mal. On va aller faire des petites prises de photos. On va utiliser notre drone peut-être, ou peut-être faire des courses. Voilà, allez. Montre-moi ce que t'as à me dire, toi. Étanchez votre soif d'aventure ici même avec le défi du réservoir. Cool. Nous avons... Ok, il faut juste bien cadrer le drone. J'ai
Et c'est dans la poche, nickel. Comme il se la raconte. Ça t'amuse ? Ok. Donc ça c'est fait. Allez, les icônes réapparaissez, s'il vous plaît. Merci. Ok. Il faut attendre un petit écran sombre. Donc tac, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Il est temps d'arrêter des bandits. Par là, on a des trucs comme ça. Petite course-poursuite avec la police. Alors, est-ce que je peux aider les mecs là ? Est-ce que je peux vous aider ? Je loue mes services. Des poulets ! Ah ouais ! Je vais te montrer ce que Spider-Man vaut, mon gars. Raté. Mon copain t'a laissé en plan. Allez, et une voiture entoilée. Oh là là, mais cette rapidité incroyable. Raté. Allez, on arrête le criminel là. Voilà ce que j'appelle une course rondement menée. C'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, il faut encore attendre que l'écran devienne sombre. Allez, fais-moi un petit reset hein, de cette mission là. S'il te plaît, merci. Alors, ça c'est quoi? Pénètre dans le laboratoire sécurité, récupère les prototypes. Affaire de police. Ah! Ça serait pas une sorte d'affaire de police un peu compliquée, ça, où la dernière fois j'ai dû faire de nombreux cuts, là, lorsqu'on avait des braqueurs en plein milieu d'une rue, encerclés par les différentes équipes de police. Je me suis fait malmener, les mecs, ils étaient tous retranchés dans un coin de rue, là, et à chaque fois, je me faisais défoncer, quoi. On va aller voir ça tout de suite. Les policiers sont encerclés. Où est-ce qu'ils sont? Je peux me mettre là, ici, là, pour récupérer un peu ma vie. Ouais, parfait, ça. La caméra qui s'emballe. Viens par ici, t'es le prochain. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tiens, goûte mes tatanes.
criminel neutralisé et remis aux autorités. Affaire de police terminée. Bien évidemment, je ne peux pas encore acheter mes compétences, hein, car elles ne se sont toujours pas débloquées. Donc ça ne me sert à rien. Ça ne me sert strictement à rien, ça continue à clignoter, c'est dégueulasse. Merci, merci les mecs, merci, c'était un vrai plaisir. Non, ça ne s'est pas encore réinitialisé. Allez, je me casse. Ok. Là, il y a une autre mission au porteur de l'extrême. On va y aller. Je pense que ce sera la dernière mission de cette vidéo. Ça aurait été une vidéo assez courte cette semaine, les petits amis. Petit tournage du lundi. Assez court, mais qui a nécessité quelques cuts, hein. Notamment en début de vidéo. Ouais, c'est vraiment Spider-Man. Oui, 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 c'est vraiment moi. Allez, on va aller directement faire ce petit défi. Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est un petit truc de drone? Je n'en sais rien. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on ira faire les petites missions en verte sur la carte. Ah. Voilà. Le robot tueur éliminé. Hé, l'araignée, j'ai quelque chose pour vous. T'as quelque chose pour moi? Eh ben j'arrive. J'arrive de ce pas. Alors qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as en stock, mon gars? Un défi. Une nouvelle course. Vous avez bien dit une nouvelle course. Ouais, une nouvelle course, ça marche. Pas de problème. Ah mais j'y étais en fait là. D'accord, j'y étais. Allez, plus vite. Oh, ça, ça me plaît. C'est quoi votre problème? Mon problème, c'est que j'ai raté le point d'accroche. Voilà, mais normalement ça va se régler rapidos. Ça y est, presque, allez. Voilà, défi extrême réussi. Ben, c'était facile. C'était facile. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, il y a encore un petit défi extrême à faire, juste là. On ne peut pas passer à côté de ça, hein. Ça c'est pas possible. Est-ce qu'au niveau des pourcentages, ça compte ou pas du tout? Au niveau des stats. Car j'aimerais bien faire tout monter à 100%. Hein. Ça va monter petit à petit à force de faire les missions. Progression dans le jeu 52%. Ah, on serait déjà à la moitié du jeu. C'est cool. Et progression dans les niveaux 43, boss vaincu 53, figurine, croquis, blablabla. Défi extrême, c'est ça. Défi, 40% à peu près. 50%. Civil sauvé 20%, ça c'est pas gagné. Ça c'est pas gagné. Bon allez, qu'est-ce que t'as en stock encore, mon gars, là? Vas-y. Ah bon? Ouais, je veux bien le relever.
Ah, c'est encore un truc avec le drone. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Faut juste rester concentré. Oh, le panier. C'est un 3 points, ça? Non, mais ça va, calme-toi. Basketteur professionnel, quoi. Ouais, j'avoue, t'assures, mec. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? C'est bon, c'est fini, là, il n'y a plus de défis. On n'arrête pas la vidéo tant que les défis ne sont pas finis. Oh, il y en a encore un, là, il y en a encore un, là. Il y en a encore un. Allez, on s'y rend vite fait. Je pense qu'on a largement dépassé les 30 minutes de vidéo là. Et c'est pas de ma faute s'il y a plein de défis de partout. Hein. J'aimerais bien un petit peu que certains défis me donnent un peu de challenge. Car j'ai poussé la difficulté du jeu dans son dans ses retranchements là et. On va passer à la vitesse supérieure, c'est ça, oui avec nous. Regardez-le. Allez. Go, go, go. C'est par là qu'il faut aller. Pour l'instant, rien d'insurmontable. Génial. Easy. Allez, un dernier effort. Et ça se termine comme ça? Voilà. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. J'ai gagné masse d'expérience encore. Hein. On les voit où là? Non, ça se voit pas là. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Il y en a encore un autre? Il y en a plus. C'est parfait. Les petits amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, il ne restera plus que les icônes vertes. Les icônes vertes, ça ne veut rien dire, c'est les icônes vertes sur la carte. C'est pas au féminin, ça. Car voilà, j'aurais pris le temps de faire tous les allers-retours avec les différents civils, là, qui sont à droite, à gauche, pour les déposer dans les hôpitaux. Ça, par contre, c'est un peu chiant. Donc, je vous le passe. En plus, il y en a vraiment beaucoup, hein. Genre, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à ramener. J'imagine ça en vidéo, ça va prendre au moins plus de 15 minutes, voire 20. Enfin, voilà, c'est un vrai bordel. Bon, je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans la 14e. Salut à tous, bye.